Bonjour et bienvenue à votre émission de littérature, le livre à la portée des mots. Encore cette semaine, on va tenter de vous donner envie de lire ou d'aller dans vos bibliothèques municipales pour chercher des livres ou aller vous acheter à la librairie de nouveaux livres. On est présentement à la bibliothèque municipale du secteur Dolbo à Dolbo-Mistassini. Venez rencontrer les gens, allez voir vos bibliothèques, c'est extraordinaire, il y a des choses qui se passent là. Et avec moi encore cette semaine, deux femmes fantastiques pour parler de littérature. J'ai tout d'abord Mademoiselle Sabrina Veillette, enseignante en littérature au cégep de Saint-Félicien. Bonjour Sabrina. Bonjour Pierre. Bonjour, à quoi tu vas nous parler cette semaine? Aujourd'hui, je vais parler de Teen Spirit de Virginie Despentes. Oh, que je ne connais pas, je vais en apprendre aussi. Et avec Mademoiselle Jessica Rivet, enseignante en philosophie au cégep de Saint-Félicien. Bonjour Jessica. Bonjour Pierre. Et tu vas nous parler de quoi toi cette semaine? Je vais vous parler de collection d'essais que j'aime bien, qui s'intitule « Documents ». Voilà, collection. Parfait. Oui. J'aime ça. Et de mon côté, je vais vous parler d'un de mes auteurs favoris, ou du moins le premier grand auteur qui est rentré dans ma vie, qui s'appelle Howard Philip Lovecraft. Là-dessus, on débute immédiatement avec Sabrina et Teen Spirit. Bonjour, oui. Sabrina. Bonjour, Pierre. Alors, aujourd'hui, je parle de Virginie Despentes, une auteure que j'aime beaucoup. Je vous présente Teen Spirit aujourd'hui parce que je pense que c'est la façon la plus simple d'entrer dans l'œuvre de Virginie Despentes. Virginie Despentes est une auteure qui est assez rock'n'roll. Alors, pour ceux qui connaissent un peu Michel Houellebecq, c'est le genre de personne un peu dans ces eaux-là. Alors, si vous allez la voir en entrevue, vous allez être épouvanté parce que c'est toujours les cheveux très en bataille, le look très écrivain, là, l'attitude très oui. « je m'en foutisme ». Puis, elle est quand même très intéressante parce que probablement, c'est une grande féministe qui va beaucoup s'intéresser à la pornographie, à la question du consentement. Elle a fait plusieurs essais là-dessus, dont King Kong Theory. Elle est québécoise excellent. Ou elle est... Non, elle est française. Ah, d'accord. Oui, bon, c'était à préciser. Oui. Alors, je vous parle de Teen Spirit aujourd'hui parce que c'est son roman qui est le plus doux. Pas que je veux vous épargner, mais c'est une bonne façon d'entrer là-dedans. Elle a décidé d'écrire sur la question de l'enfance et sur le passage de l'adolescence vers l'âge adulte. Donc, c'est ce livre-là qui s'appelle « Teen Spirit ». Chez Virginie Despentes, il n'y a jamais des personnages qui vont bien. On est toujours dans des personnages qui sont éclatés. Et bon, je ne veux pas faire une lecture biographique de son œuvre, mais ça se comprend quand on la connaît un petit peu parce que c'est une personne qui a pris de la drogue, qui s'est promenée, qui est en cavale avec des groupes de rock, qui était chez les saltimbanques. Donc, bref, une vie de fou, là, complètement à l'opposé de ce qu'elle est aujourd'hui. C'est très rangée, écrivaine et tout. Et ça l'a vraiment influencé son écriture. Alors là-dedans, on découvre un personnage qui s'appelle Bruno. Bruno est dans la trentaine et il est agoraphobe, claustrophobe et... Ça ne va pas bien. Clairement, déjà, ça commence mal. Ça ne va pas bien. Il habite avec Catherine. Et Catherine, c'est elle qui rapporte l'argent, c'est elle qui travaille. Et lui, bon, qu'est-ce qu'il fait? Il était dans un groupe de rock qui n'a pas joué depuis quelque chose comme 12 ou 13 ans. Et il fait un peu de traduction pigiste, mais ça ne va pas. Et bon, je vais vous dire un petit peu ce qu'il fait de ses journées. Donc, juste un paragraphe. Donc ça, c'est l'incipit, c'est le début. Ça raconte qu'est-ce qu'il fait de ses journées au début du roman. « Je tirais sur un gros joint en étudiant les fesses de G-Lo sur MTV. Le téléphone a sonné, j'ai laissé le répondeur parce qu'à l'époque, j'évitais tout un tas d'interlocuteurs qui me réclamaient des sous, des traductions que j'avais été payée pour faire mais que je n'avais pas rendues ou simplement des gens qui voulaient me faire perdre mon temps à discuter de trucs pas drôles. Une jolie voix de femme, très classe, très petit accent de bourge pointu, une façon de dire les voyelles et de prononcer chaque mot nettement, comme font les gens qui savent qu'ils ont le droit au temps de parole et à l'articulation précieuse, m'a tout de suite mis une légère gaule. Une voix qui évoquait le tailleur, les cheveux parfumés et les mains bien manucurées. « Bonjour, je suis Alice Martin. C'est un message pour Bruno. Je ne sais pas si mon nom vous dira quelque chose, mais... Il m'a fallu 2 secondes pour me souvenir d'elle. » Alors que ma mémoire brouillait volontairement les faits récents, elle restait très précise pour les événements remontant à mon adolescence. Je me suis détendue comme un ressort, j'ai attrapé le téléphone et balancé d'un ton enjoué. « Alice, bouge de soi, tu parles comme si je me souviens. » Alors, ce téléphone-là va changer sa vie parce qu'il va apprendre, coup de théâtre, qu'il a une fille de 13 ans.
avec Alice, qui l'appelait justement parce que la petite, soudainement, veut le voir. Et là, Bruno va être très mal parce que, bon, ça fait 2 ans qu'il n'est pas sorti de chez lui et il n'a pas tellement envie de révéler sa vulnérabilité à cet enfant-là. Alors, Bruno va rencontrer cette jeune fille-là qui a 13 ans et il va l'accompagner un petit peu dans un petit bout d'adolescence. Puis c'est ce qu'on appelle un roman d'apprentissage. Un roman d'apprentissage, c'est quand deux personnages, au contact l'un de l'autre, vont grandir, découvrir des choses, se construire au contact de l'autre personne. Puis c'est un roman qui nous parle de ça et un roman aussi qui fait pas vraiment la morale, qui fait pas l'impasse sur dire « voilà, moi je suis brisée pour telle ou telle raison, mais tu vas me prendre comme je suis ». Et c'est pas un roman non plus qui se termine bien, ça se termine pas mal, les personnes qui meurent, mais les deux personnages restent avec leurs faiblesses, puis restent avec des choses à construire. Donc, c'est le roman le plus accessible de Virginie Despentes, mais il reste quand même dans son univers tout de même. Ouais. Donc, voilà. C'est intéressant, puis c'est un sujet particulier aussi, tu sais, de réaliser, en tout cas d'apprendre à un certain âge que tu as une fille de 13 ans, ça doit changer ta vie de manière assez violente. Mais oui, c'est quand même super intéressant parce que il va vraiment changer au contact de cet enfant-là, puis il va se rapprocher, ça va pas guérir nécessairement tous les problèmes qu'il y a, mais ça va contribuer à améliorer certaines petites choses. Puis le style de l'écriture reste dans ce que Virginie fait habituellement. Je pense que c'est une bonne façon d'entrer là-dedans. Puis après ça, d'affronter peut-être ses autres romans si on s'en sent la capacité, si c'est des sujets qui nous intéressent, là, parce que les autres sont super intéressants puis très pertinents, mais ils parlent d'autres choses. Là. Ça, c'est vraiment une fiction. Puis c'est ce qui ressemble le plus aux livres qu'on lit habituellement, si je peux dire, là, qui sont moins violents. J'ai une question pour toi. Est-ce que, parce que bon, tu dis qu'ils grandissent ensemble. Est-ce qu'il y a comme une espèce de la résilience un peu? C'est-tu un thème qui est abordé ou plus ou moins on l'effleure parce qu'il ne guérit pas? Bien, en fait, il ne va pas guérir de son agoraphobie, mais c'est sûr que la petite va le forcer à sortir. Puis c'est vraiment, il y a le thème de l'abandon un petit peu parce que c'est elle qui a demandé à revoir son père. Oui. Puis il y a le thème aussi de lui, comment rattraper un peu le temps qu'il a perdu puis comment l'aider à se construire plus tard. Ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est qu'il y a le personnage de Catherine qui va quitter puis il va y avoir un nouveau personnage féminin qui va arriver, le personnage de Sandra, puis on va avoir différentes figures féminines. Donc on a Alice qui est la mère de la petite, qui est très la petite bourgeoisie, le tailleur, très très bien là, sur tous les niveaux. Puis il y a Sandra qui va être, elle, plus rocker avec les cheveux teints, les grosses bagues. Puis la petite Nancy, qui est la petite de 13 ans, qui se construit à travers tout ça. Puis elle est déçue au début parce que cette figure-là de père disparu, elle s'attendait à ce que ce soit quelqu'un avec une moto. Tu sais, quelqu'un de... Tu sais, quand sa mère a dit, bon, c'était un garçon qui était dans un groupe de rock, elle s'imaginait tout de suite là, quelque chose comme Johnny Hallyday ou quelque chose de vraiment là, très impressionnant. Puis finalement, elle trouve cette espèce de larve-là qui est son père puis qui a de la misère à sortir sans hyperventiler. Puis elle essaie de se construire à travers ça. Puis je trouve que ça lui donne une espèce d'aura intéressante. Là. Mm. Bien, merci. C'est très intéressant. Oui. Puis, le goût de lire. Je trouvais que le ton était un peu, pas comique, mais tu sais, un peu... je sais pas si c'est comme ça un peu tout le long, léger. Oui, en fait, il se prend pas extrêmement au sérieux. Oui. Le ton est léger parce que le personnage fait pas à croire qu'il y a quelque chose qu'il n'est pas. Fait que je pense que l'écriture va suivre un petit peu, un petit peu ça, ouais. Ah, merci beaucoup, Sabrina. Ça fait plaisir. Intéressant, très intéressant, comme toujours. Oui. Maintenant, Jessica, toi. Ben, tu veux nous parler d'une série qui s'appelle Documents. C'est une petite collection Documents. Bon, j'en ai amené deux petits essais. Bon, je peux vous lire qu'est-ce que c'est. C'est une collection de courts essais portant sur les enjeux sociaux, culturels, individuels de notre époque et écrits à chaud dans l'urgence de dire les choses. Une réalisation de l'équipe du magazine Nouveau Projet. Je les aime bien, ces petits essais-là. C'est 70 pages, c'est pas tellement long.
Et puis, bon, j'en ai amené deux différents, de deux personnalités aussi différentes. C'est ça qu'on ressent dans cette collection-là. C'est vraiment une individualité qui s'exprime. Puis ils ont carte blanche. Ils peuvent, oui, ils tout peuvent à fait. Aller tout à fait. Dans les zones où ils désirent. Oui, alors, un premier ouvrage, alors, le titre, le voici. « Je serai un territoire fier et tu déposeras tes meubles » de Steve Gagnon. Steve Gagnon qui est aussi oui. Écrivain de théâtre, fait des excellentes pièces de théâtre. Oui, puis d'ailleurs, j'aimerais parler un petit peu de sa pièce « Ventre » que oui. J'étais allée voir avec mon conjoint, que j'ai beaucoup appréciée. Et aussi, je vais vous parler un peu de « La route du pays brûlé » de Jonathan Livernois, qui est un professeur d'histoire et d'histoire littéraire et intellectuel au département des littérature de l'Université Laval. Un jeune professeur quand même, il n'est pas tellement âgé. Et ce que j'ai aimé de cet essai-là, c'est que, bon, c'est un essai qui parle du patriotisme québécois, du nationalisme, mais aussi de ses côtés moins glorieux. Et ça m'a troublé dans ma propre réflexion sur mon nationalisme. Ouais, puis il y a une réflexion, je vous ai écrit quelques notes parce que je savais que je n'allais pas me rappeler là, de ce que je voulais dire. Qu'est-ce que ouais, une citation de Jonathan. Alors, il dit la chose suivante, « Le patriotisme ne peut être efficace que s'il flèche l'itinéraire vers une plus grande justice sociale. » Donc, un patriotisme, d'abord, il fait un peu le tour de ce qui se passe, de ses déceptions. Il parle, entre autres, des séries télévisuelles, bon, ouais, des aimées des Québécois, comme par exemple les pays... voyons, les pays d'en haut. Les pays d'en haut, merci, Séraphin. Il sait qu'un peu ça, hein, il les analyse. Et des bons côtés, puis des moins bons côtés de ce genre de trucs-là, d'œuvres-là, plutôt. Et finalement, au bout de l'essai, on n'a pas de solution. On a eu plusieurs questions, mais il y a une chose qu'on retient, c'est que selon lui, si le nationalisme doit survivre, il faut qu'il y ait une universalité. Il faut qu'il y ait une ouverture sur l'autre, une ouverture sur d'autres cultures, sans se renier, sans renier ce que nous sommes profondément. Par exemple, il parle de sa veste karaté, bon, de son grand-père qui affectionne, puis qui la met souvent, ça fait partie de son histoire, de sa culture. Il parle des artefacts comme ça. Hein. Il fait une archéologie, vraiment, de son histoire personnelle, mais aussi de son histoire identitaire. J'ai trouvé ça vraiment... Puis ça se lit tout seul, hein, ce genre d'essai-là. Puis tu sais, c'est des petits... C'est des réflexions, en des fait, réflexions. Qu'on va donner, puis dont on peut argumenter. C'est des beaux livres oui. Pour s'introduire des fois aussi à des sujets ou à des idées. Oui, puis aussi, ben moi, je trouve que dans les cours, tu sais, s'intéresser à un essai, le décortiquer, ce que t'aimes plus de cette opinion-là, ce que t'aimes moins, c'est intéressant là, pour réfléchir, amorcer une réflexion. Ça, c'est bon, si tu veux le regarder. Steve Gagnon, ça, c'est... en fait, l'essai, je l'ai acheté après avoir vu, justement, Ventre, sa pièce de théâtre, qui a écrit, qui joue aussi dedans. Il joue le rôle principal avec Marie-Soleil Dion. On est habitué de la voir dans des séries, bon... Plutôt comique, oui, aussi jeunesse. Mm-hmm. Mais là, elle a un rôle tout à fait sérieux dans Ventre, là. C'est pas cool, là, tout ce qu'elle vit, là. Puis c'est très contemporain. Alors, Ventre, c'est, pour faire l'histoire courte, là, c'est une pièce de théâtre où Steve Gagnon fait un peu, justement, l'archéologie des relations de couple un peu trash, puis le décor, il est super trash, là, vraiment, là. C'est quoi de le dire? Puis c'est très nietzschéen, hein? Il y a une réflexion sociale là-dedans, des thèmes, par exemple, les jeunes ne s'identifient plus au modèle contemporain, ils essaient de se construire à travers leurs relations, mais ils veulent vivre leur individualité. Ça va un peu dans plein de directions différentes. J'aurais de la misère à vous parler d'une ligne directrice, mais c'est nietzschéen dans le sens, c'est dans l'éclatement, dans l'urgence de vivre, puis en même temps, l'urgence de comprendre ce que nous sommes dans toute cette explosion-là contemporaine. Okay. Non, c'est vraiment une pièce intéressante, trash. Trash, mais intéressante. Et dans cet essai-là, ben Steve Gagnon s'intéresse à la masculinité. Parce que aujourd'hui, bon, il parle de féministe, entre autres, il va dire le féminisme, c'est quelque chose de très bien, ça prône l'égalité, tout ça. Mais aussi, il faut parler des hommes.
Et c'est vrai que des fois, bon, on parle beaucoup des femmes, mais les hommes qui... il y a des hommes qui sont perdus un peu là-dedans. Puis, oui, c'est ça. Ils s'intéressent, mais sans rejeter le féminisme, mais ils s'intéressent vraiment à la masculinité. C'est quoi la masculinité aujourd'hui? On est rendu avec le modèle masculin, oui. Son rapport avec la société, les oui. femmes, etc. Oui, puis aussi, ils parlent des stéréotypes masculins. Par exemple, Vin Diesel, bon, qui va revenir dans l'essai, puis il va dire, moi, je me sens tellement pas comme ce genre d'homme-là, mais pourquoi on me force à être musclé, à être con, à pas avoir de sensibilité. Et ça, on en parlait dans une autre émission des petits garçons qui ont justement qui sont en manque de peut-être de modèles masculins où on renoue avec notre sensibilité. Et il est très sensible, Steve Gagnon, mm-hmm. et ça, il y a une écriture encore une fois nietzschéenne, je trouve là-dedans. Je peux peut-être vous lire quelques passages que j'ai trouvé intéressants. Cet essai-là, je l'ai fait lire une année en philo de l'art parce que c'était un artiste qui s'exprimait de façon philosophique. Je trouve ça intéressant. Alors, il parle entre autres du thème l'intranquillité. Je ne veux plus être un homme tranquille, je veux être intranquille. Bon, alors, voici ce qu'il nous dit là-dessus. Quand je parle d'intranquillité, je veux surtout parler des petits gars qui vivent avec une révolte noble mais inconfortable, avec des désirs débordants, une fragilité déchaînée et une conscience extraordinaire, alors que rien de tout ça n'entre dans le moule étroit des hommes qu'ils devraient être. Fait que c'est un peu comme ça tout le long. Il parle aussi de la société, de besoin de nouvelles valeurs. Parce que oui, on est en train de déconstruire les anciennes valeurs, mais il faut reconstruire. On ne veut pas juste déconstruire, il faut se baser après ça sur d'autres choses. Il faut reconstruire un nouveau modèle. Oui, oui, c'est ça. Puis lui, le modèle, il n'impose pas son modèle, mais il propose, hein, c'est toujours dans la lignée de l'essai, mm-hmm. il propose des pistes de réflexion, de solutions. Alors, je peux peut-être vous lire un autre passage. Oui. J'écris cet essai comme on utilise un bulldozer pour démolir la structure d'un immeuble et désinfecter. C'est pourquoi je n'ai pas du tout l'intention de dresser quelques listes, que ce soit de ces potentielles différences hommes-femmes. Nommer les choses sous forme de listes aurait quelque chose de rigide. Ce serait comme couler du béton pour élever de nouveaux murs avant même d'avoir complètement mis à terre les anciennes fondations. Ouais. Non, c'était intéressant, pour vrai. Mais je pense pas, comme tu disais, c'est que... Je pense pas que ça s'inscrit contre le discours féministe. Pas du tout. Je pense que c'est complémentaire. Oui. Parce que c'est vraiment l'idée de segmentation des genres. C'est que, bon, ben toi, tu dois être comme ça, puis moi, je dois être comme ça, parce que depuis des millénaires, c'est comme ça, puis c'est une façon de fonctionner qu'on trouvait qui marchait. Puis je pense vraiment que c'est quelque chose dont on parle de plus en plus. Puis souvent, on a l'impression que, bon, ben les femmes ont des oppressions, puis il y a des garçons qui nous disent, bon, mais nous aussi, on a des oppressions, puis c'est à cause de vous qu'on a des oppressions. Puis j'ai souvent cette discussion-là avec des amis. Qui, eux, sont contre le mouvement féministe parce qu'ils ne comprennent pas cette idée-là que c'est justement ce système-là patriarcal qui a fait en sorte que, bon, ben voici le moule, puis toi, tu rentres dedans. Oui, exact. C'est ça. Fait que je pense que c'est, ça ne s'inscrit pas du tout contre, ça s'inscrit en complémentarité. Non. C'est comme des blocs Lego qui vont s'assembler. Là. J'aime que tu parles de blocs Lego. Oui. Je trouve aussi celui-là, là, qui est Jonathan Livermois. Oui. Moi, j'aime beaucoup celui-là parce que je trouve que ces temps-ci, j'ai l'impression, c'est peut-être moi qui suis plus allumée là-dessus aussi, qu'on a davantage de jeunes voix qui s'intéressent à cette question-là de nationalité. Mm-hmm. Puis je trouve ça le fun parce que avant ce qu'on avait comme modèle, c'était plus la vieille garde. Puis je dis pas ça pour les bitcher, c'est parce que qui suis-je pour m'indigner contre Paul Pichet qui sort à tout le champ pour parler de comment il pense. Mais je trouve ça le fun qu'on a les jeunes qui s'intéressent à ça. Oui. On n'a plus l'impression oui. que c'est un vieil enjeu. Puis c'est dans l'air du temps, en fait. Le nationalisme oui. revient, on le voit partout en Europe, partout dans exact. Le monde. Exact. C'est tellement partout. Puis cette question-là de territoire, puis de qui nous sommes, ouais. ça commence à être investi par les jeunes. Puis je trouve ça le fun, parce que souvent on dit qu'il y a un désintérêt des jeunes, des milléniaux par rapport à la politique. Mais on a beaucoup de personnes comme ça qui s'intéressent à ça, puis qui prennent toutes sortes de tangentes. Fait que je trouve ça le fun, ça fait des points d'ancrage, tu sais, parce que c'est rare qu'un jeune va se dire « Bon, mais moi, je vais aller lire tout ce que j'ai lu, c'est pas écrit dès demain. » Mais tu sais, quelqu'un qui voit quelqu'un comme ça qui n'a pas encore 40 ans réfléchir à des enjeux, mais il se dit « Peut-être que ça peut me rejoindre, peut-être que… » Peut-être que moi aussi, ça peut me faire réfléchir, oui, me pousser exact, ma réflexion. Je trouve, ça vraiment plaisant. Bien, merci, Jessica, de nous avoir parlé de cette oui. petite série d'essais. Pour terminer, je veux juste, parce que tu parles justement de la territoire et tout ça, ça revient hein, dans l'essai. Il parle d'archéologie. Tu sais, bon, d'abord, il écrit très bien, là, Jonathan, oui. là, Livernois. Puis la métaphore de la terre est tout le temps là. Mais ça traverse la littérature québécoise. Ouais.
de défrichement et de possession, c'est tout le temps là. Comment pendant des années, tu parlais des séries télé, mais on voyait ça. On dirait que toutes nos séries télé, c'était de nous voir à l'époque comment on aimait ça être dans misère. Puis dans la nouvelle musique de Séraphin, ils ont accès vraiment là-dessus. Là. C'est toujours des histoires de territoire. Puis dans le Grignon, ben, c'est moins ça, mais là, on se rend compte vraiment comment c'est important de s'enraciner quelque part. Oui, puis il ne rejette pas du tout ça. Au contraire, c'est sa ligne directrice. Mmh. Mais il y a vraiment un esprit de d'ouverture, là, d'universalité. Puis oui. Puis Steve Gagnon, merci beaucoup. Juste en terminant, parce que là-dessus, je suis vraiment d'accord avec toi, Sabrina. Puis à la fin, il fait un éloge à sa conjointe, comme quoi qu'il la trouve tellement fantastique. Et il ne serait rien sans sa conjointe. Puis tu sais, bon... non, mais je, c'est ses mots, là. C'est pas moi qui les met dans sa bouche, là. Mais je trouve ça très, très beau, là. Tu sais, c'est une poésie à travers la construction. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Oui, oui. Ah, d'accord. Merci, merci beaucoup. C'est très intéressant. Petite voir s'ils vont sûrement sortir d'autres essais. C'est intéressant. Les projets sortent tout le temps des choses. Moi, je vais vous parler d'Howard Philip Lovecraft. Oh, mais qui est-ce? Qui est-ce? Qui est-ce? Maître, un grand maître de la littérature fantastique d'horreur. On a souvent dit que Edgar Allan Poe avait inventé un peu le genre. Et là, tout le monde est d'accord pour dire que l'élève a dépassé le maître. On est allé très loin. Cette collection qui est parue chez Robert Laffont en 3 livres, on peut voir que c'est les œuvres complètes. On va entrer dans l'univers de Lovecraft. Lovecraft a un univers bizarre, un univers où il a créé une espèce de beaucoup d'entités, de monstres, mais tout est dans le secret, dans le non-dit, les sociétés secrètes, l'exploration du monde. Je veux dire, Da Vinci Code n'a rien inventé, là. Lovecraft avait déjà... non, mais il était déjà arrivé avec ces idées-là bien avant que la société ou les sociétés secrètes avaient caché des choses, qu'il y a des écrits, des non-dits qui sont là. Un peu partout, il a développé ce qu'on appelle le mythe de Cthulhu. Il faut comprendre qu'à l'époque, lui, il a écrit au début du 20e siècle. Il y avait, à l'époque, on ne sortait pas les livres, on publiait dans les revues. Il était d'ailleurs un des premiers avec ses amis Frank Belknap Long, August Derleth, Robert Irvin Howard à créer ce genre de revue qui était Amazing Story, Weird Tale, etc. pour publier leurs écrits. Donc, Lovecraft a parlé beaucoup du mythe de Cthulhu. Un mythe, si vous ne connaissez pas, mais vous connaissez, je ne sais pas, il y a des films, beaucoup, qui ont été faits. Si vous connaissez le film de Thing, entre autres, on est beaucoup dans l'univers des montagnes hallucinées, de Lovecraft. On est beaucoup là-dedans. Je vais vous lire un extrait pour vous montrer un peu le style. Bon, je le lis en français. Contrairement à Edgar Allan Poe, qui est très intéressant à lire en anglais parce qu'il a été quand même traduit par Baudelaire, donc on a une plus-value dans la traduction. Lovecraft, si vous êtes capable, je vous conseille de lire en anglais. C'est intéressant. Donc, je vous lis un petit extrait des montagnes hallucinées. Les curieuses cavernes, près desquelles les formations bizarres semblaient plus nombreuses, présentaient un autre problème, bien que mineur, par la géométrie de leurs contours. Elles étaient, ainsi que l'avait dit le communiqué de Lake, souvent presque carrées ou semi-circulaires, comme si les ouvertures naturelles avaient été façonnées pour plus de symétrie par quelques mains magiques. Leur abondance et leur large répartition semblaient remarquables, suggérant dans toute cette zone un dédale de galeries creusées dans la couche calcaire. Les aperçus que nous pouvions saisir ne pénétraient guère l'intérieur des cavernes, mais nous n'y vîmes ni stalactites ni stalagmites. À l'intérieur, cette partie des versants montagneux entre les ouvertures paraissait invariablement lisse et régulière, et Danforth pensa que les légères fissures et piqûres de l'érosion se rapprochaient des figures inhabituelles. Plein comme il était des horreurs et des bizarreries découvertes au camp, il imaginait que ces trous ressemblaient vaguement à ceux des groupes déconcertants de pointes réparties sur les stéatites verdâtres des premiers âges, si hideusement multipliés sur les tertres de neige absurdement édifiés au-dessus des 6 monstres enterrés. Voyez un peu le genre, si vous aimez les trucs d'extraterrestres et de penser que les Incas ont eu des contacts extraterrestres, on est beaucoup là-dedans. L'exploration, la découverte du monde, tu sais, on est à l'époque des Indiana Jones, là, où on découvrait les pyramides, on découvrait
Et donc, on a créé un univers avec des dieux et des entités, des gens qui vouent des cultes à ça. Mais heureusement, Lovecraft est allé aussi beaucoup plus loin. Là-dedans, dans son deuxième, on va tomber aussi dans ses contes, ses nouvelles, dans sa poésie, dans toutes ses autres histoires d'horreur. Il a fait beaucoup de participations. Il a fait aussi beaucoup d'échanges de littérature. On a même retrouvé, par sa correspondance, des ouvrages qui ont été publiés sous le nom de d'autres qui avaient envoyé leur manuscrit à Lovecraft pour dire « Peux-tu me corriger ça? » Et que le manuscrit original avait été changé à 80% par Lovecraft, mais jamais publié en son nom. Et aussi très intéressant, Lovecraft, qui habitait à Rhode Island, dans le troisième, on va explorer, puisqu'il y a beaucoup exploré aussi le monde du rêve, comme on le voit chez les aborigènes, en fait, d'Australie, entre autres. On va voir aussi, au-delà de sa poésie, sa philosophie, il écrit des essais philosophiques. Et il a aussi écrit un guide touristique sur la ville de Québec. Très intéressant parce qu'il n'a pas voyagé beaucoup, mais il est allé souvent à Québec, qu'il adorait. Et il a décrit Québec avec des croquis qu'il faisait à la main. C'est très intéressant. Là, on peut voir, entre autres, des images. On reconnaît très bien Québec que lui a fait à l'époque. Donc, on parle de la pointe de Lévis, de l'île d'Orléans, la route de Charlebourg. Donc, c'est un gars qui connaissait beaucoup Québec et qui adorait la ville de Québec. Donc, si vous aimez ce genre mystérieux, fantastique, où se mélange tentacules et livres occultes, je pense que c'est pour vous. Grand auteur extraordinaire à découvrir si vous ne connaissez pas. Là-dessus, merci d'avoir été des nôtres. Merci, les filles, d'avoir participé. Et on se dit, nous, à la semaine prochaine pour la dernière émission de notre saison 3 du Livre à la portée des mots. Bonne semaine!